Si tu sais nos rapports, tu saurais ton tour aussi. Alléluia. Mesdames, Messieurs les représentants des ministères en charge de la justice et de la promotion de la femme, Mesdames, Messieurs les représentants des ONG et des associations impliquées dans la lutte contre les BBG, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en formant des qualités. Le plan d'action quadriennal 2024-2028 de l'Église évangélique du Congo est placé sur le thème Aussi, je rappelais l'identité évangélique et protestante à l'origine de notre Église était visible dans les stations missionnaires à travers l'Anthropote, les bergers pour nourrir les corps, les dispensaires pour soigner les corps, les écoles pour instruire l'esprit et les chapelles pour assurer le salut des âmes. Pour répondre à sa vocation diaconale, l'Église évangélique du Congo a mis en place la coordination technique et projet d'appui au développement communautaire au CICIPAD, qui en quête de cette identité met en œuvre cinq projets majeurs, dont le projet de danse basé sur les genres. Ces projets répondent à l'engagement de l'Église dans le combat pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création. Révérend Président, distingués invités, la lutte contre les BBG est également un défi majeur pour le développement de la société congolaise en général et de l'Église évangélique du Congo en particulier, où la place de la femme est marquée par les défis mais aussi des avancées notables. Révérend Président, Mesdames, Messieurs, par votre engagement contre les BBG, vous avez choisi d'honorer Dieu, l'Église, la CEPA et les femmes. C'est là aussi une manière d'exprimer l'identité évangélique et protestante en témoignant les choses par les yeux. Car il n'y a pas de développement dans la violence et sans les femmes. La CEPAD, par ma part, vous remercie de l'intérêt que vous accordez aux questions liées à la développement des gens basés sur les genres. Je ne saurais que mon propos sans assurer les responsables à tous les niveaux de notre disponibilité à les accompagner dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets orientés vers le développement communautaire. Je vous remercie. Monsieur le Grand Président, Madame les membres du Conseil scolaire, Monsieur le Coordonnateur, Monsieur le Pasteur responsable des paroisses, distingués invités, Mesdames, Messieurs, on a eu un souci technique de protection des écoles. Heureusement, le technicien est absent, donc je vous donnerai la lecture. Projet de violence basé sur le genre, comment est-il né? Ce projet est né de l'anecdote d'un pasteur norvégien avec un pasteur congolais. Le pasteur congolais arrive à la maison, la nourriture n'est pas prête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il porte pain sur sa femme. Et il revient voir le pasteur norvégien, il dit, je suis arrivé à la maison, la nourriture n'est pas prête et j'ai tapé ma femme. Et le pasteur norvégien dit, mais tu as tapé ta femme parce que la nourriture n'est pas prête. Et le pasteur s'est arrêté là. Et quand il revient en Brazza, il va voir le pasteur soigné. Il y a quelque chose qui va penser de lui. Il lui explique l'anecdote et à partir de là, la réflexion commence. La
que le pasteur soit mis. Et nous voici. En 2011, la première enquête, parce qu'il ne fallait pas s'arrêter sur les bandits, on a fait une enquête en 2011 à Brazzaville et à Kinkala pour déceler si les violences existaient réellement au sein de l'ESC. Les résultats en 2012 ont réellement révélé le taux élevé de violences physiques, psychologiques, socioculturelles, sexuelles, économiques subies par les femmes et les enfants de l'État de Saint-Louis. C'est à partir des résultats de l'enquête qu'en 2013, on lance le projet pilote à Brazzaville, à Mbou et à Kinkala. Et on a enchaîné à Mbouézé et à Congo. Et en 2015, de 2015 à 2021, on lance le projet national qui a inclus les consistoires de Brazzaville 1, 2, Côte-Noire, Caïn et Dolisie. Aujourd'hui, avec la nouvelle équipe, après avoir travaillé de 2013 à 2021, l'Église évangélique du Congo a une nouvelle mission qui a quatre volets. Le premier volet, la voie de la restauration. Un accent particulier sera mis sur la communication, la formation du groupe de responsables, la sensibilisation, l'écoute des survivants et l'orientation vers des structures spécialisées. Le deuxième volet, c'est la voie de la justice. C'est de faire un plaidoyer pour que les survivants puissent avoir la justice et qu'on bannisse l'impunité. Troisième volet, la voie de la prévention. Il s'agit de faire une mobilisation sociale pour le changement de comportement, d'attitude et de pratique en notre sein. Et le quatrième volet, c'est l'autonomisation. Et cette autonomisation va se faire par la vulgarisation de la politique en matière de lutte contre les violences qui a été adoptée en 2018 par le Conseil synodal. Et il s'agira également d'appuyer les femmes et les jeunes vulnérables de notre Église. Quel est l'objectif, ou encore quels sont les objectifs de cette troisième phase 2024-2027 appuyée par l'Église de Norvège? L'objectif de développement est de renforcer les compétences institutionnelles et humaines de l'ESC pour mener et soutenir la lutte contre les violences basées sur le genre, par le sein et la société. D'une manière spécifique, il s'agit de renforcer les capacités de la direction de l'ESC et de ses organes attachés et élaborer un système d'alerte et de gérance en cas de danger à tous les niveaux. Deuxième objectif spécifique, soutenir et renforcer les capacités et les mécanismes de coordination consistoriale pour assurer avec efficacité et cohérence les actions pilotées dans les paroisses du projet. Dernier objectif spécifique, consolider le partenariat. Je disais que le dernier objectif spécifique, c'est de consolider le partenariat, la coordination et la collaboration entre l'Église évangélique du Congo et les autres institutions gouvernementales ou non, pour faciliter une réponse multisectorielle contre la violence basée sur le genre. Et pour atteindre cet objectif, 6 axes de mise en œuvre ont été retenus. Le premier axe, c'est le renforcement des capacités des mécanismes institutionnels de l'ESC pour une appropriation de la lutte contre les violences basées sur le genre et arriver à éliminer. L'objectif visé, c'est de disposer l'Église évangélique du Congo des capacités et des compétences nécessaires pour soutenir les actions de lutte contre les VBG et les droits de femmes ainsi que ceux des enfants. Quelques actions peuvent être citées. Il s'agit de former à tous les niveaux, au niveau du conseil synodal, les consistoires,
paroisse et école d'information sur les bienfaits de la violence face aux hommes de genre, la prévention de ces violences et l'accompagnement de ceux qui vont. J'ai dit ceux qui vont parce que violence face aux hommes de genre, il y a l'homme, la femme. Donc, les victimes, bien sûr que les plus nombreux sont les femmes, il y a les hommes aussi qui sont victimes de violences basées sur les gens. Deuxième grande action, c'est d'actualiser le plan d'action 2018-2021 que vous avez dans le dossier de lutte contre les violences et de mettre en œuvre. Il s'agit aussi de regarder, à notre niveau, comment harmoniser les textes fondamentaux de l'OEC à la législation internationale sur la répression et les sanctions envers les auteurs de violences sexuelles. Il s'agit également de mettre en place dans les paroisses des structures de veille sur les violences basées sur le genre en concertation avec l'action évangélique de veille. Il s'agit aussi d'appuyer les départements synodaux spécifiques ayant un lien de droit avec les violences. Je citerai l'éducation chrétienne, l'enseignement protestant, femmes et familles, jeunesse, communication et aéroport. Deuxième axe stratégique, prévention et lutte contre les PMG et accompagnement des victimes dans les paroisses et les écoles. L'objectif visé, de mobiliser, sensibiliser, éduquer, communiquer et provoquer un engagement chrétien des paroissiens et élèves sur les contours des PDG, les voies de recours et la prévention. Les actions retenues, il s'agit d'organiser une campagne de sensibilisation des paroissiens et élèves des écoles d'enseignement protestant de tout âge et tout sexe confondu sur les droits humains, les bienfaits des PDG sur les survivants, la famille, l'église et la société. Deuxième point d'action, c'est de concevoir une stratégie d'incitation des survivants, des proches et autres personnes à briser ou encore à poursuivre, briser le silence et entamer le processus de dénonciation des auteurs de violence. Il s'agit également d'élaborer un système de monitoring d'alerte précoce dans les écoles et les paroisses. Mettre en place des unités non-violence et procéder à l'insertion dans les programmes pour les cycles primaires et secondaires des écoles protestantes. Enfin, élaborer le programme préventif et le traitement des auteurs des PVG que nous oublions souvent. Axe stratégique numéro 3, production et collecte des données sur les PVG dans les paroisses. L'objectif est de disposer des informations sociologiques et anthropologiques des consistoires du projet. Et il s'agira de concevoir le cartographie des paroisses cohésives en appréciant le taux de régularité des violences. De réaliser des études de base dans le cadre du projet, réaliser des enquêtes d'opinion pour évaluer le niveau de mise en œuvre des activités du projet. Axe stratégique 4, l'organisation des questions de droits de l'homme avec un grand tâche. En particulier les droits des enfants et des femmes. L'objectif visé, toucher toutes les personnes à travers le cadre professionnel pour un changement d'attitude, de pratique, de comportement sur les PMG. Et c'est l'occasion de remercier l'Église catholique qui a mis à la disposition du projet depuis 2015, Radio Magnifica, Radio Maria Magnifica. Merci beaucoup. Donc, les actions que nous allons mener, c'est de 1, avec le département de la communication et la forêt de mettre en œuvre le plan de communication de masse et de proximité dans les paroisses sur les droits des femmes et les violences basées sur les genres. Continuer à produire et diffuser des émissions sur les radios professionnelles, notamment l'Église évangélique et l'Église catholique, ainsi que les radios communautaires implantées par les députés dans les localités. Relancer la production du bulletin trimestriel d'éveil évangélique, qui est le site du projet, le site web du projet, et continuer à produire des articles dans le journaux de la place, notamment Le Chemin, la Semaine africaine, les dépêches, la Semaine.
stratégique. Renforcement du partenariat organisation de la société civile et organisation de la société civile. Organisation de la société civile, pouvoir public, église, église. Sur la prévention, l'accompagnement et la prise en charge de ce vivant. L'objectif est de développer le partenariat multisectoriel pour la sensibilisation plus large sur les BPG, l'accompagnement et la prise en charge de ce vivant. Pour les actions, il s'agira de participer, désirer participer à toutes les initiatives concertées et particulièrement qui luttent contre les violences. L'EEC adhère à la création d'une dynamique de lutte contre les déchets et l'EEC sera avec les autres parties prenantes de mener des plaidoyers en ce qui concerne la prise et l'application des textes portant protection des femmes et des enfants, notamment la loi Bobala, la loi Pacotino et j'en passe. Le dernier axe stratégique, c'est la réduction des vulnérabilités économiques des jeunes filles et femmes. L'un des objectifs est d'appuyer les activités génératrices de revenus des femmes anciennes vulnérables de l'EC. Nous avons avancé cette activité depuis 2015 et elle a donné des résultats probants dans les paroisses de Bakongo et d'autres où certaines femmes sont sorties de la pauvreté. Dans les actions, nous avons relancé les campagnes de sensibilisation auprès des femmes vulnérables sur l'octroi des crédits non remboursables. Appuyer la Caisse féminine de femmes et de crédit mutuel, chargée de la formation et du suivi des activités des bénéficiaires. Former les femmes bénéficiaires sur les femmes, les conditions de droit et le remboursement du crédit. À ce niveau, nous pouvons dire que les crédits sont octroyés pour un groupe, ce qu'on appelle le groupe solidaire. Quand il n'y a plus, il ne peut pas rembourser, la charge revient aux autres. Et ces crédits, en fait, ils sont remboursables, ce n'est pas les autres. 2024-2027, où le projet sera implanté dans 9 francs-histoires. Brazzaville 1, Brazzaville 2, Madiga, Oziba, Kouya, Caï, Donizy, Pointe-Noire et Pointe-Noire 2. Voilà succinctement la présentation du projet. Donc, on vous rassure, je crois que vous avez des clients avec vous, on a présenté le projet. Donc, la cellule exécutive est à votre disposition pour les pasteurs responsables, les membres de la société civile et les éditeurs. Si il y a des décisions qui sont là, on aura une éditeur après pour les questions. Merci. Considérez
résolument engagé dans la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, des filles, des garçons et des hommes. Dans la même perspective, le Conseil national a voté en 2018 le document politique de l'EC en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, assorti d'un plan d'action national 2018-2022. Au cours de la même année, la thématique des violences basées sur le genre a été intégrée dans l'équipe publique de l'année au sein de l'EC. Le 7 décembre, une semaine sur la de lutte contre les violences basées sur le genre a été instituée dans toutes les paroisses au cours de la dernière semaine du mois de novembre, en lien avec la commémoration de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre de chaque année. L'information, l'éducation et la communication à l'attention des enfants, des jeunes et adultes, tous sexes et âges confondus, ont été reconnus comme méthode de sensibilisation sur les effets des violences dans le cercle familial, à l'Église et dans la société. Distingués les invités, mesdames et messieurs, les campagnes de sensibilisation ont permis à plusieurs personnes d'approfondir leur connaissance sur les formes et manifestations de la violence et causée par les violences sexuelles, souvent vécues en silence et considérées comme tabou dans les paroisses, les familles et les écoles. La participation des groupes cibles s'est reflétée dans les questions pertinentes posées par les hommes et les femmes lors des séances de sensibilisation. Aujourd'hui, les violences basées sur le genre sont ouvertement dénoncées. Davantage de supplémentes signalent les cas et utilisent les services de soutien. Malgré les résultats d'encouragement obtenus, il reste beaucoup à faire pour garantir une réponse durable et efficace contre les violences basées sur le genre. De ces résultats, l'Église de Norvège vient de nous apporter un financement additionnel pour la pérennisation des actions de lutte contre ces violences. C'est ici l'occasion de remercier vivement Dini, le gouvernement norvégien, ainsi que ses contribuables et l'Église de Norvège. Distingués chefs de département synodaux, en vue de la pérennisation de la lutte contre les violences paralysées sur le genre, j'invite dès à présent les responsables des départements synodaux de la jeunesse et de l'éducation chrétienne à œuvrer pour l'intégration de la thématique de l'EPG dans les manuels de l'école du dimanche et du catéchisme. Il en est de même pour la direction générale de l'enseignement protestant. Quant au département synodal de la famille, il doit, dans la dynamique de la commission de son environnement intérieur, intégrer les principes de reconnaissance des droits des femmes, des enfants et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Le département scolaire de la communication est également appelé à plus d'activistes pour informer les populations sur les méfaits de cette violence. Quant à l'action évangélique et paix, la collaboration étroite avec la cellule exécutive du projet est indispensable car la paix, tant dans les familles que dans les sociétés, est liée, entre autres, par l'absence de violence, quelle que soit leur forme. Référant cet établissement de formation, la popularité des violences sous des formes de plus en plus graves montre la profondeur du fossé culturel dans lequel se trouve aujourd'hui la société congolaise. Il est donc fondamental que les notions de droit des femmes et des enfants ainsi que les formes et manifestations de violence figurent dans des curricula pour armer les études ecclésiastiques sur la population.
droits de l'homme est suffisante. Reverend coordinateur et responsable des paroisses, c'est en témoignant notre foi et notre exerté par les œuvres que nous serons véritablement cette lumière du monde. À ce titre, notre action contre les violences basées sur le genre doit être durable et porteuse d'excellents résultats. Eu égard à cela, la présentation du plan d'action 2018-2022 de la politique de l'ESC en matière de lutte contre les violences basées sur le genre est impérative au même titre que sa mise en œuvre. Ainsi, vous serez très bientôt conduit par un atelier de validation du nouveau plan d'action de notre politique de lutte contre les violences basées sur le genre. D'ores et déjà, il vous revient donc d'examiner ce plan d'action et de l'adapter au contexte actuel de chaque paroisse afin d'élaborer un nouveau plan d'action pour les 5 prochaines années 2025-2030. Ce document sera soumis à l'examen du prochain conseil synodal. Dans le cadre de cette troisième phase du projet 2024-2027, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour les équipes consistoriales du projet afin qu'elles disposent des locaux afin de permettre leur visibilité et de prouver la détermination de l'Église pour les locaux dans ce combat contre les violences basées sur le genre. Mesdames et messieurs les représentants des pouvoirs publics, des agences du système des Nations Unies, des équipes du sort et des ONG, l'Église évangélique du Congo est à l'avant-garde de la lutte contre les violences basées sur le genre. Aussi, l'aide-t-elle pour la création d'une synergie et d'une réponse plus large au Congo contre les VPG. L'ESC est ouverte à tout partenaire stratégique. À ce titre, l'Église évangélique du Congo construit pour la régionalisation du réseau national des associations de lutte contre les violences basées sur le genre au Congo. À travers les différentes actions prévues dans le cadre de ce projet et de sa politique de lutte contre les violences basées sur le genre, l'Église évangélique du Congo apporte sa contribution à la mise en œuvre du plan national 2021-2015 de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles spécifiques au Congo adoptée en 2022 par le gouvernement. Dans le cadre de cette lutte, les sensibilisations menées dans les paroisses et les écoles ont permis d'identifier plusieurs femmes, filles et garçons victimes de violences. Ces survivants ont besoin d'un accompagnement médical, psychologique et socio-économique. À ce jour, l'Église n'est pas en mesure de répondre à ces besoins. Elle y sollicite pour cela l'appui des agences du système des Nations Unies. Notre plaidoyer vise également les institutions congolaises regroupées au sein du Conseil public et de la Fédération des Églises protestantes dans la perspective de mettre en place une plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre qui lie nos institutions. Quant aux organisations de la société civile impliquées dans la lutte contre les violences basées sur le genre, elles doivent procéder à l'intensification de la collaboration pour une collecte non parcellaire des données sur ce bureau. Distingués invités, chers frères et sœurs, c'est par ce plaidoyer que je déclare officiellement renoncé dans les constituants, les écoles d'enseignement protestant et les établissements de formation des ecclésiastiques, les activités du projet qui vont se passer sur le genre au sein de l'Église et de la société courante. La période 2024-2027, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie.